Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Jacques Chirac. Oh. Bonjour. Ah, bonjour. Ah. Quel bonheur pour moi que de me retrouver ce soir au Salon de l'Agriculture. Ah, bonjour Jacques Chancel, Raymond Souplex, Lucien Jeunesse. Ah, quel bonheur. Et là, je vois que j'arrive juste pour les prélèvements du concours d'insémination artificielle. Ben des dents, ils ont mauvaise mine, vos étalons, c'est vrai, hein. On dirait qu'ils ont les bourses complètement asséchées par les réformes du quotient familial de mon ami Hollande. Ah, c'est pas possible. Vous êtes là, vous aussi. Bonjour, Guy Lux. Ah, mais vous savez, c'est terminé, Interville, hein. Ils ont bouffé toutes les vachettes. En revanche, je vois que Léon Zitrone a mince. Et ça, c'est plutôt bien. Bonjour, cher Léon. Vous avez vu, il paraît que depuis l'affaire Spanghero, c'est que les vachettes qui courent à Longchamp. Quelle époque. Non, monsieur Chirac, oui. Moi, je suis Jérôme de Verdière. Oui. Là, c'est Pierre-Yves Bournazel. Oui. Hein, et vous êtes sur Paris Première, c'est en direct. Ah, Paris Première. Mais je connais Paris Première, bien sûr. C'est la chaîne où il y a ces couillons de chansonniers qui essayent de raconter plus de conneries que Copé et Fillon réunis. On va avoir du mal, hein. Vous avez vu encore ce sac de nœuds qu'ils nous ont fait avec la primaire pour la mairie de Paris? Un vote informatique. Mais qui sont cons, alors? Personnellement, j'ai passé tout mon dimanche à essayer de me connecter sur le site avec mon Minitel. J'ai jamais réussi. Le pire, c'est mon ami Charles Pasqua. Il a démoli tous les ordinateurs en essayant de bourrer la fente des CD avec les bulletins de vote. Ouais. Vous insinuez, monsieur Chirac, c'est très important. Nous sommes en direct, c'est la revue de presse. Oui, je vous en prie. Fais gaffe, à un moment donné, ça va faire mal. Ah oui, c'est ce qu'elles me disent toutes. À un moment donné, ça se voit. Oui, bon. Vous insinuez... Dépêchez-vous, parce que j'ai ma camomille à prendre. Alors. Soyez pas trop long, quand même. Michel Guidoni, porte à gauche. Vous insinuez qu'il y aurait des tricheries, c'est très grave. Des tricheries? Des tricheries? À l'UMP? Mais vous n'y pensez pas. Non, 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 non. C'est juste que Rachida Dati a essayé de perturber un peu le scrutin en faisant voter tous les pères de son enfant. Et... au moment du dépouillement, c'est Jean-François Copé qui arrivait premier, d'une courte tête, suivi par Rocco Siffredi, d'une courte queue. Oh, c'est chic. C'est vous dire si c'était pas truqué, hein. Là, c'est quelle décadence. Vous vous rendez compte? Obligé de se faire élire pour se présenter devant les électeurs. C'est consternant. Ça tombe bien à prouver que, comme disait le grand philosophe Patrick Sébastien, dans un parti politique, la démocratie, c'est comme les hémorroïdes. Plus c'est interne, plus ça fait mal où je pense. Alors, monsieur Chirac, monsieur... Je vous en prie. Dépêchez-vous, il y a l'heure qui tourne. Monsieur Chirac, oui. Je suis avec Pierre-Yves Bournazel, qui est concerné. Il est concerné. Oui. Il va essayer, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, de faire tomber Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Anne Hidalgo? Je le connais très bien, Anne Hidalgo. C'est la femme de ménage de Bertrand Delanoë. C'est pour ça que je la confonds souvent avec Linda de Souza. En tout cas, cher monsieur, vous êtes bien sympathique. Mais écoutez, mon choix est fait. Personnellement, je vais voter Anne Hidalgo. Mais oui. C'est un scoop, ça, que vous votiez pour Anne Hidalgo. La dernière fois que j'ai voté pour un gars qui venait de Tulle, le ciel me l'a toujours pas pardonné. Ça fait un an qu'il pleut des cordes. Je viens de Tulle, hein. Et je sais, c'est pour ça qu'il y a ça. La dernière fois qu'on a vu la silhouette d'un Hidalgo à la mairie de Paris, c'était moi. Ah, j'en ai fait craquer des patates en déambulant dans les couloirs de la mairie de Paris avec ma vipère de broussailles sous le bras. Non, non, non. En plus, je vais vous dire une chose, je l'ai jamais beaucoup aimé, moi, la grande asperge de Morizet. Non, non, non. Avec son crâne dégarni et sa bouche en cul de poule, elle me rappelle trop Bernadette. Je vais vous dire. Mais c'est vrai.
Elle fait tellement nordique avec ses cheveux roux et ses taches de rousseur que quand tu lui fais la bise, t'as l'impression d'embrasser un hareng sur la bouche. Oh. Alors qu'Anne Hidalgo, elle sera la nouvelle Esmeralda de Notre-Dame de Paris. Mais attention, en contrepartie, je vais lui demander de rétablir l'ordre et la sécurité. C'est important. L'ordre et la sécurité. C'est pour ça que je vais... C'est pour ça qu'il faut interdire les victoires du PSG. C'est la base. Alors je vais lui dire de demander au prince du Qatar d'engager comme entraîneur Raymond Domenech. Et puis, une solution. Il faut changer le nom du club. Il faut appeler ça Paris-Qatar. Vous allez voir qu'au lieu de crier PSG champion, quand ils vont devoir crier PQ champion, ça va les calmer, les supporters, hein, croyez-moi. Bon, écoutez, c'est pas que je m'emmerde, mais j'ai un dîner ce soir à l'Élysée avec Franklin Roosevelt. Alors, je vous quitte. Au revoir, mon cher Yvan Rouzy. Écoutez, continuez comme ça, vous êtes très bien, j'ai vu tous vos films. Au revoir Robespierre, vous avez été formidable. Quel bonheur de me retrouver au salon du prêt-à-porter. Et allez, j'arrive juste pour l'insémination artificielle. Au revoir Jean-Laurent. Au revoir, oh, ça m'a fait plaisir. Et vous, au revoir Henri Virelogeux. Ça m'a fait plaisir. Oui. Accompagnez-la, s'il vous plaît. Dites donc, vous avez fini combien, vous, à Roland-Garros? J'ai tout regardé hier. C'était formidable. Accompagnez-le. Jacques Chirac, Michel Guidoni.